Bon, frère, mesdames et messieurs, nous souhaitons bienvenue ou sur TV La Caille, canal information. Son plaisir pour nous présenter La Caille. Pour une nouvelle vidéo, une nouvelle information qui nous porte pour là, qui pral, eh bien, aider à comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti après l'assassinat du président républicain, M. Jovenel Moïse. Eh bien, enquête passée par là, malheureusement, enquête qui semble floue. Et puis le monde a dit ça, puis le monde a dit ça, puis le monde a dit l'autre, puis le monde a dit si mes amis, bagay là, viennent au moment là, personne pas qu'à connaître, et bien qui ça réellement, qui derrière assassinat président Jovenel Moïse là, ou bien vrai cause, ou bien qui gros tonton Charles Brac, qui lui-même campé yon côté, et puis la gade population mêlé avec un autorité yo, cap dans ses gombo, pendant ce temps, lui-même lui pose yon beaucoup ka, et bien découvrir yo. Il y a un citoyen qui est Emmanuel et donc Sanon. Et monsieur, c'est un véritable suspect qui lui-même n'a assassiné le président Jovenel Moïse. Et bien, et dans toute merci de ça, selon sa information fait qu'on est, et bien, c'est à tout ça. Et qui lui-même a eu contact avec monsieur Sayo, c'est l'ICTAP. Donc, fait tout un moyen possible pour rendre mission ça possible pour arrêter le président républicain. Nous pourrons le porter pour Stanley Lucas qui lui-même pourra nous en pile détail avec en pile vérité et monsieur Baye tout et comment et tout un donc processus pour autorité ou ta suivre pour nous finalement faire une bonne enquête pour le président république là. Il y a une justice qui est bien son justice de Mac. Donc nous pourrons l'inviter au temps de Stanley Lucas qui lui-même tape répondre question dans l'émission Matin Débat qui passe sur antenne radio télé éclair, mesdames et messieurs. Nous allons vous suivre avec nous, pas oublier ou sur TV La Caille ou si là où qui toujours connecté sur le canal Zamé qui beaucoup de gens abonnés avec nous. Pas hésiter à faire ça pendant même ou à regarder la vidéo. Ça a été connecté, n'a pas tourné. Tout le monde qui est dans le pays et qui est dans le pays et nous croyons que vous êtes noir haïtien. Et assassinat crapule qui fait de président pays nous et l'igon impact psychologique et émotionnel et émotion choc ça émotionnel et psychologique ça que nous prend et en plus nan, nous en tant qu'haïtien haïtienne et nous pas capable d'explication à lui-même et la tourmente nous et lui il vient créer une tâche pour nous dans le monde là. Donc moi présente condoléances moi à la première dame de la République Martine Moïse et que criminel yo bay 3 balles qu'a récupéré nos hôpital à l'étranger. Nous présente condoléances nous bay Timounio, bay Timounio et bay tout citoyen pays a qui a fait par comme ça. Et ça passait assez. Son bagage qui grave, qui est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, nous. Mais vraiment, c'est la deuxième fois que ça arrivait. Et ton président qui t'a dit, nous, noyons, nous, pauvres, est-ce qu'il y a une place dans le pays? Est-ce que finalement, il n'y a pas de changer le système? Pour bailler, nous, noyons, qui dans le pays, a une chance, même genre, des salines, t'es fait ça en 1806. Et nous, l'élite fin dit, et noir qui n'a pays, est-ce qu'il n'y a pas besoin de bagaille tout? Et non seulement, nous avons un choc psychologique, ça, nous n'avons pas parlé de Dessalines pendant 50 ans, et c'est là que nous avons installé le système apartheid économique. Là, et peut-être Jovenel Moïse et son président qui te remet en question le système apartheid économique qui était dans le pays. Et nous, comme on t'a dit tout à l'heure, Jean Outouille là, Jean Crévé Gilles, je torture lui avant Outouille. Son message que vous voyez dans tout, et tout le monde est dans le pays. Et ça, a son bail qui existait depuis sous Toussaint Louverture. Toussaint Louverture était venu commandant en chef de l'armée indigène, et Migo était dit pas obéir. Donc, le message, ça, c'est qui Jean nous prend le prendre. Et comment nous allons gérer, et ça vous fait Jovenel Moïse, c'est nous tous qui vous fait ça. Et est-ce que le message ça n'a fait pas le même genre à 1806, ou bien est-ce que 2021 a différent de 1806? Mais ce sont vraiment un crime
tellement grave. Mais il y a des éléments qui clairs pour nous soumettre, qui clairs pour nous soumettre aujourd'hui. Et il y a des composantes qui clairs du crime. Et bon, composantes clairs, c'est composantes financières. Ou pas dans l'opération comme ça. Kotoal prend 26 anciens soldats. L'armée colombienne, parmi là, il y a des gens qui étaient déjà criminels depuis la Caillou. Et pour faire passer Saint-Domingue et Panama, pour atterrir dans le pays. Une opération comme ça, pour le coûter entre 20 et 30 millions de dollars américains. Pas de 5 millions dans le pays qui a financé une opération comme ça. Donc, bien sûr, financer la composante, ça nous connaît. Donc, c'est ça, il est en anglais, accounting forensics, empreinte financière qui vient dans le système financier, dans la banque centrale, aux États-Unis, en Colombie, qui va permettre nous clairement comprendre. Et qui m'ont qui financé l'opération ça. Deuxième bagaille qui est clair aujourd'hui, c'est la complicité des forces de sécurité. Et son bail qui commençait depuis le 7 février, et côté qui était un commissaire de police et qui était voulu prendre président Fermin El Tapa. Et nous reconfirmons que son continuité du 7 février, les directeurs de police nationale là, hier soir, dit. C'est même bien mandat 7 février qui était dans les Colombiens. Donc ça veut dire que si nous ridiculisons cette idée, nous n'avons pas bon président mourir dans les aujourd'hui. 7 février a été tombé sérieux que le pays pour tuer le président. Il a échoué, mais il a recalibré. Complicité ça, il faut nous garder. Dans la police, là, dans le commandement de la police, là, tout le monde qui est en contact avec le commissaire ça qui a été détaillé 7 février. En même temps, tout le monde a regardé de l'USGPN qui s'est problème et qui fait qu'elle arrive là. Troisième élément qui est important que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'implication sur les dealers de drogue. Et pour qui ça? Parce que dans l'opération, ils servent rien. Et ça veut dire que nous qui fait conception d'opération, nous devons les sales américains et sales coopérations américaines à un pile pays dans la zone. En matière de lutte contre la drogue. Donc, ça veut dire que notre question, ça a des drogues dures. Et gros drogues dures, ça a depuis sous président Aristide Mouteweka, et le président Sénat, qui ont arrêté comme drogues dures, qui étaient menaces. Faut qu'on garde l'élément de drogues dures, ça a. Et complicité internationale, parce que nous, que et 26 anciens soldats, qui ont servi de marée, il y a 5 populations veillées et que la police a cherché, il faut que nous joignions. Donc, en dans Colombie, il faut nous joindre détaillé. Et la presse colombienne a dit qu'il y a 4 compagnies qui ont fait le recrutement. Yo, et l'objectif, c'était de recruter 200 à la fin, ils ont recruté 20. Et 4 compagnies, ça, ils ont connecté avec une compagnie Florida qui est le CTU, CTU. Donc, pour nous garder ça. Et les Colombiens, ils jouent que le groupe là, c'est un groupe pour faire un échange. Pour nous jouer tout élément ça. Pour nous jouer un transfert financier. Et c'est pour ça que nous apprécions la coopération du gouvernement colombien qui voulait directeur intelligence militaire, directeur intelligence nationale, avec un enquêteur civil qui est niveau commissaire gouvernement. Donc, pour nous garder Colombie. Pour nous garder Saint-Domingue. Parce que ce n'est pas Saint-Domingue que nous avons passé, et nous avons un mercenaire qui travaille pour un gros bourgeois dominicain. Donc, pour nous garder tout le détail, ça. Donc, connexion là, nous mentionnons, et Haïti. Donc, pour nous garder tout ça, la coalition politique assassinat président. Qui est-ce qui est dans la coalition politique assassinat président? Donc, sous base d'éléments qui sont disponibles, nous avons dit assassinat président, pour pas. Et à qui est 4 phases. Phase là, c'est réussi partiellement. C'est tout le président. Tellement réussi parce que dans le calcul et l'analyse que moi-même fait, il faut tout le premier dame dans tout. Il y a 3 balles et il a quitté pour mourir, il vivant par mourir. Et pour moi-même, il faut éliminer le premier ministre pour que la deuxième phase là vienne entrer en vigueur pour te bourrer, entrer dans le panel national. Pour te bourrer, entrer dans le panel national là, il y a 2 objectifs dans l'analyse que je fais. Premier objectif, c'est bloquer l'enquête là. L'enquête là, parfait. Et deuxième objectif, c'est bloquer le référendum avec le processus électoral là. Et probablement, quatrième objectif,
et tout le monde qui est président a coupé contrat, vient remettre contrat pour que le système n'a pas pipo encore apartheid économique. Non seulement le bras là, mais le bras apartheid politique qui crée. Donc, sous base ça, la question c'est qui ça doit faire. J'en tête là, à peut-être là, un problème. Et juge je fais. Après, suite en avant, par contre, qui est capable de manipuler, commissaire gouvernement a plagué dans la rue, par contre, qui fait bagaille sur la rue, dans la rue. Non, enquête au président de la République, dans sa cap fait là, même parce qu'il faut nous centraliser en enquête là pour nous mettre tout donné en grain côté. Et dans ce sens, il y a deux options. Première option, ou non, mon commission d'enquête qui vient en tête de deux mondes. Deuxième option, ou non, mon ministre délégué auprès du premier ministre. Chargé de l'enquête sur l'assassinat du président de la République. Donc, l'on vient monter sous tout ça, en dans sous tout ça, pour qu'il y ait un monde qui est responsable enquête là, pour qu'on juge d'instruction, pour qu'on commissaire gouvernement, pour qu'on juge de paix, pour qu'on commissaire divisionnaire de la police, pour les liaisons avec la police, pour qu'on spécialiste des questions financières, spécialiste des questions. Donc, pour qu'on équipe complète qui centralise données. En même temps, la gérer enquête là. En dans l'institution nationale, et puis on voulait entrer dans la Banque centrale, on voulait entrer dans la police, en dans l'USGPN, et en dans, et par exemple, compagnie téléphone, yo, par exemple, et compagnie téléphone, la banque, nous, par exemple, tout le monde que le président relaie entre minuit et demi et 3 heures du matin. Et tout le monde que qui relaie le président entre minuit et demi et 3 heures du matin, et qu'on appelle qui vous bat nous, via compagnie téléphone. Yo. Par exemple, compagnie téléphone, dans le genre fonctionnaire. Dans le poteau électrique, ni NACOM, ni comme tel, dans le temps de président, il y a un relais. Tout appel qui fait entre minuit et demi et 3 heures du matin, ou bien que vous recevez entre minuit et demi et 3 heures du matin, il y a un. Donc, il faut centraliser l'enquête là pour gagner toutes les données. En même temps, tout, nous sommes capables de responsables enquête ça, avec tous les techniciens spécialisés, c'est au interface avec l'investigation enquête américaine. Enquête colombien ou bien enquête Nations Unies. Dans ce sens-là, on nécessite de centraliser l'enquête et faut gagner sa relève et prééminence. C'est la suprématie de l'autorité civile dans l'enquête ça qui doit faire là, si nous ne pouvons pas l'écraser. Donc, moi, c'est le premier bagage que Mabdou là, je dis. Bon, qui ça cave nous quoi comme si enquête ça va aboutir mais enquête pas rien m'aboutir en Haïti. Question proposée a est à la fois important et grave et par rapport à l'analyse qu'on a fait avant. Sous pas vle que 59e président qui a prêté serment 7 février 2022. 60e président qui a prêté serment 7 février 2027 ou 61e président qui a prêté serment 2032. Tout pas vle ou mourir et assassiner, torturer, même j'ai président Jovenel Moïse, nous devons joindre qui est qui touye président Jovenel Moïse. Président Jovenel Moïse, lui mourir assassiné. Pour faire opération ça, il faut besoin de 20 millions de dollars américains. Faut tirer bon, peut-être que je ne sais pas si un téléphone, parce que je ne suis pas un téléphone, que bon président qui mourit comme ça, même gens en dedans pays, j'ai fort pour nous faire pas difficile. Pour monter opération, il faut gagner 20 et 30 millions de dollars américains. Pas gagner 6 millions dans le pays qui ont capacité ça. Pour monter opération comme ça, il faut gagner complicité dans la force de sécurité. Yo. Nous avons des éléments d'information, deux éléments d'information qui publient que nous te connaissons que DG la protection est confirmée hier soir. Le 7 février, le commissaire de police qui t'a brûlé un commandant USGPN pour dire mener président Bali pour tuer le tabac. Nous ne faisons pas enquête sous lui. Nous qui était un coup d'État à l'époque, il a ridiculisé ça fait là. Parce que le coup d'État a échoué. Et c'est même Mounsayo qui a recalibré le coup d'État.
nous avons deux éléments là. Avec dit, en d'un commandement police nationale là, qui est-ce qui n'a assassiné président? En d'un IRGPN là, qui est-ce qui n'a assassiné président? Nous connaissons que 98% de gens qui sont la police là, pas dans le mouvement ça. Nous connaissons que c'est quelques gens qui ont eu, il faut nous joindre qui est-ce qui a eu. Bien entendu, un ensemble d'éléments techniques que nous allons joindre, ça va aider nous. Et éléments financiers. Est-ce que via Banque Centrale, transfert qui fait en Colombie ou bien par compagnie qui est Florida, qui est le CTUA, les compagnies qui sont Colombie, et transfert qui fait pendant 3 mois qui sont passés. Nous gagnons 18 personnels. Est-ce que dans le système financier noir, les transferts qui fait directement pour mercenaires ou bien pour compagnie qui impliquent eux? Et éléments que Digicel et on a tel carbon nous, et pardon, on a comme carbon nous, à permettre nous, ouais, et qui est mon président relé. Par exemple, selon l'information publique, et nous n'avons pas disponible, nous connaissons au moins 2 appels que le président fait. Le président relé, commandant et civil dans l'IRGPN, le relé DG de la police. Là. Et on baille, d'après ça, on dit qu'il fait entre 1h15 et 1h30. Donc, on baille qu'on parle construit en anglais, timeline. Timeline, on l'a dit, et chronologie. Le DG de la police, là, voyez, définité, à regarder ça qui passe. Ça a passé qu'un président, bon côté arrivé, mon cap fait opération dit, vire. Qui s'est passé l'état? Qui l'autre appel qui fait? Comment vire opérer? C'est pas vire, c'est comme ça. Vire pas opérer comme ça dans le pays sous la terre. Donc, ça veut dire que, bon somme de formation en domaine financier, dans le domaine de télécommunication, dans le domaine qui enquêteur ou pas le bâti, pour bâti chronologie, nous avons collecté information ça yo là pour 21 jours pour joindre mon au niveau financier qui fait crime là mon au niveau force de sécurité qui participe dans crime là avec soldats colombiens yo et mon au niveau politique qui en crime là pour que nous avec on côté du tout à l'heure mon campagne de désinformation pour saboter enquête là par exemple première dame n'a pas parlé elle fin parler lui poster ça dia sur compte Twitter li pour montrer que c'est officiel, ou est-ce que y a douce pas première dame là. Avec dit que bon campagne qui pour montrer parce que première dame là est en confirmation deux bagages. Premier bagage qu'elle confirmé a dans salle dia. Il confirmé que c'est mercenaires colombiens eux-mêmes qui touyer président. Il confirmé ça dans salle dia. Deuxième bagage il confirmé c'est que bon processus d'assassinat politique en deuxième fois de président de la République. Donc complot ça qui fait plan là pour touyer président. Les grands composantes financières, les grands composantes sécuritaires et les grands composantes politiques. On a arrêté tous les trois. Bon, ok. Donc ça veut dire que faut enquête la continuer. Mais qu'on a analyse pas faire nous Stanley Lucas. Où senti ce gouvernement qui là, qui capable de mener bataille ça pour faire président joindre justice ou bien c'est un autre gouvernement qui va venir peut-être toujours provisoire ou bien c'est les un président élu y a capable de mener enquête là et responsabilité gouvernement là qui là conformément à l'article 149 constitution pour l'assurer parce que il y a 3 bagages qui doivent faire dans 21 jours après assassinat président la continuité de l'état c'est que gouvernement qui l'a fait deuxième bagage là enquête sur l'assassinat du président de la République. Troisièmement, préparation, l'enterrement national pour le président. Pour nous faire côté enterrement, un côté qui représente la dignité du peuple, parce que l'image, ça, on parle tout partout, dans 192 pays sous la terre, nous n'avons pas qu'à organiser l'enterrement national à n'importe qui, Jean. Tel, un côté digne du peuple haïtien, pour que l'image qui a sorti dans le pays, lui représente la dignité. Donc, par bon aspect, dignité étrangère qui a venu pour préparer 3 bagailles sales. Donc, et c'est ça que doit faire. Mais en même temps, tout, et moi-même, je ne vais pas ignorer la réalité politique. Je ne vais pas dire que les gens ça, ou bien n'ont pas ça, ou bien les gens la droit. Et moi-même, les gens qui ont proposé tête comme président provisoire et premier ministre de la République
qui a besoin pour rentrer dans le palais national, moun sa yo, et ma bon si c'est, et yo fait partie de cette fête là, ou bien c'est dans le marché pressé pour prendre pouvoir, ou dans le coup d'état, ou pas qu'à dire qui est là-dedans, ou pas qu'à dire que ou t'es coordonnateur, et vous même ou t'es membre de l'unité, c'est l'unité qui baille tout bourgeois volé ou tout bien l'état pendant 15 ans qui se passe là, et puis vous dites que vous allez entrer dans le palais national. De vous faire ça, de nous avoir pensé que vous avez un mouvement de tous les résidents. Parce que c'est monsieur Unité qui te baille vare, qui te baille électricité, qui te baille produits pétroliers, à bourgeois voler pays d'Haïti, oligarque. Donc, on est assez intelligent pour qu'on ait un comportement politique pour gagner dans ces circonstances. Et c'est pour ça, même si nous connaissons que depuis janvier 2020, le Sénat n'a pas gagné aucune autorité constitutionnelle ou légale pour le faire rien, mais par défense, au lieu de faire des bagages, ou t'es doué condamner le crime contre le président, et puis deuxième bagage qu'on fait, on met en commission de trois sénateurs pour faire une enquête sous crime ça grave qui fait sous pays, qui est l'assassinat du président de la République. Les ça, on apprend au sérieux, on apprend au commun qui veut préserver de la démocratie et les institutions. Même si le mandat du sénateur qui est là, a fini en janvier, deuxième lundi de janvier 2022, mais au moins, début d'enquête sénatoriale, ça, qui permet que les 51e législature a entré en janvier 2022, eh bien, les 51e législature prend relais de bagages, ça. Donc, c'est pour ça, comportement politique, on leader politique, dans le contexte, ça, là, côté cadavre président, pour qu'on même frette, et puis, il y a des comportements indécents, mon CID n'est pas dans le pays, là, devant le peuple, là, mais ça a perdu crédibilité. Maintenant, quel peuple-là, il y a quel peuple-là, peuple-là qui est en connaît qui est citoyen président, même si Mbadan est là. Sandé Lucas, est-ce que là, c'est pas d'accord avec l'amalgame, puisque justement, là, Ndakab dit, la justice, lui-même, lui saisit des... Je ne t'entends pas bien. Allô, Sandé, est-ce qu'on t'entend là? Là, maintenant, je t'entends. Vous t'entendez, vous t'entendez? Très bien, maintenant. Ok, c'est Val. Moi, disons que Sandé, par rapport à ça, on dit que... Et ou même nan place moun sa yo, ou t'as justement fait une commission de trois sénateurs qui t'a commencé un début d'enquête. Et quand par exemple Sénat li vin nan situation fonctionnelle, eh bien, début ça va permettre que yo suive processus là. En fait, question nan, est-ce que là nous pas dans une situation d'amalgame, puisque justement, et on t'a dit la justice déjà saisi le dossier. Parce que la police déjà fait un. Bon. Commissaire arrêté Moun, commissaire du gouvernement qui est le représentant, le défenseur de la société, il commence à inviter, on sait le Moun dans le paquet. Je dis à la sénateur Yuri Latorche et sénateur Steven Benoit en bas. Donc est-ce que là, pas d'abord un amalgame dans la question? Merci. C'est une très belle question. Et Val, c'est Val. Hein? FBI a fait enquête. Est-ce que le Trump a un rapport avec la Russie? Et la justice américaine a fait enquête sur ça. Pendant la justice a fait enquête sur ça, c'est des parlementaires américains qui ont mené une enquête par eux. Mm-hmm. Allô? Oui. Tous les deux cas fait en même temps, Issam Abdou. Tous les deux cas fait en même temps. Mm-hmm. Donc, moi-même, je pense que tout débat qu'a fait pour qui est-ce qui est premier ministre, bagay ça a tranché déjà. Et de quoi regarder des vidéos, mettre Dorval là, sur question ça. Et si nous parlons de ma bourre et le bon nous, mettre Dorval de qui a tranché sur question ça. Et nous vivons deux fois en dedans pays. Nous vivons les fruits de gens qui ont arrêté dans le même, qui n'ont pas entré dans la primatia sur Evans Paul. Nous vivons deuxième fois avec Fritz William Michel et Jean-Michel Michel Lapin. Et premier ministre qui a été le premier ministre Kabitlan, qui a été arrêté le nom, et puis il va te rentrer, c'est la paix qui t'a géré de façon. Ben, ça résout déjà, de vous passer cette vidéo, et notre grand maître, maître Dorval, sur cette question qui est disponible sur les réseaux, pour après que cette question a déjà été tranchée. Mm-hmm. Donc, question, qu'est-ce qui est tête qui veut vite faire coup d'État là, après au fin tout, il est président, et puis c'est même nègre qui t'a fait oligarque pays d'Haïti, bourgeois volé. Voler tout bien l'État qui rapporte l'argent, bien entré dans le palais national comme ça, pas ça possible. C'est droit nègre pour le président. C'est droit nègre pour le pouvoir politique. Je dis à dans respect mémoire président. Un président qui me connaît très bien. Dans respect mémoire président,
soulever pouvoir politique ou pas vouloir assassiner démocratie une deuxième fois dans l'élection capable faire le 26 septembre carré fort pour mettre peuple à voter pour mais n'importe qui monde qui a essayé d'entrer dans un forcing coup d'état pour venir assassiner président une deuxième fois c'est pas possible quel que soit monde qui veut pouvoir parler parti politique ou parler programme ou parler leader dans premier tour élection présidentielle là à référendum là qui a fait 26 septembre pas gain route pas bois. Le plus gros pouvoir qui gagne dans le pays, lire les bulletins de vote. Ou besoin rentrer dans le palais national, demander peuple à voter pour. Pas de monde qui a accepté que vous venez assassiner une deuxième fois président. Sonle, et ou gagne quelque chose parce que vous affirmez là que vous déjà fin tout le président, etc. Donc l'irrité peut-être à la population, à ou même pour la population, quelque chose. C'est l'affirmation sur ce fait là. Regardez, Sam. Un président qui depuis 4 ans, nèg yo fait 7 tentatives coup d'état contre lui. Si pas gen nèg qui t'a passé dernier coup d'état 7 février à nan bêtise, président t'a vivant pour négocier. 7 tentatives de coup d'état en 4 ans et demi. Ah bon? Documenté yo, soit publié yo sous blog moi publié yo sous compte Twitter depuis président après. Pardon? Un petit rappel, bon c'est un petit pour la population, 7 tentatives de coup d'état. Sept tentatives. Des grandes tentatives de coup d'État qui ont commencé à faire changer contre lui en dollars et contre lui en bout d'un dollar pour tirer l'inculpé. Deuxième tentative coup d'État, c'est les fait soi-disant accusation en d'un parlement, les votes l'ont vint fait dans la Chambre des députés, à 79 députés, il y a trois qui votent parce que son montage n'a pas marché. Égal font leur tentative de coup d'État dans l'affaire pays loc, ou des comptes barrés là. Dernière, au lieu de nous enquêter en détail pour nous qui l'autre monde dans la police là et l'autre monde dans la société là qui était dans le coup d'état 7 février, il y a des gens qui t'ont ridiculisé. Résultat, les gens qui ont président dans le nous tout bon. Ils ont besoin de faire nous tout paix. Oui, Stanley, alors moi-même, tu as dit que Stanley, dans l'introduction dans l'émission aujourd'hui, là, bon, toujours aimé dire lui, et émission, en particulier émission, ça, moi, quoi mon caractère. Ou bien un aspect formatif, puisque justement, grand pile monde, élève, étudiant, captain de là. Maintenant, question maintenant, on se parle de cette tentative de coup d'État. Bon, ok, moi, conseil d'Oyo, etc. Mais ma prends yon exemple. On parlait de et processus de mise en accusation que la Chambre des députés, lui-même, lui a planché en fonction de ça. Comme un ensemble d'éléments. Mais on connaît constitutionnellement Stanley. Constitutionnellement, donc, député, il a gagné provision pour ça. Il a gagné compétence pour ça. Si il a estimé, t'as gagné, t'as bien samedi, ah oui, t'as gagné des faits avérés qui permettent de mettre le président en accusation, il a toujours entamer le processus là maintenant, il reviendra à lui-même pour mobiliser la majorité qui vous permet d'arriver à la finalité que vous envisagez. Okay. Maintenant, bon, sous base ça, pour tout le monde qui attend là, étudiant et l'autre monde qui n'est pas trop versé dans la question politique, notamment dans le droit constitutionnel et parlementaire, est-ce que Stanley nous a dit ça, fait ça, nous avons évoqué là, ça a été un coup d'État lorsque nous connaissons. Qui ça en coup d'état, comment on définit conditions qui vous réunit pour parler de coup d'état, Stanley. Très bien. Ça, c'est fort objectif. Ça m'a dit là, réponse que m'a le baoua, et faut me remercier en ancien professeur, moi, dans la classe primaire, dans Saint-Jean-l'Évangéliste, et M. Valentin, et M. Pétélus, et c'est eux-mêmes qui fait ça, mieux aujourd'hui. Faut me remercier professeur Saint-Amand. Et professeur Bednarek Marinage. Étudiant qui est en sciences politiques, c'est tout à fait normal que son président Fombaye qui passe, il y a une commission qui font enquête sous lui, qui établit les faits. Sous base fait et preuve,
que vous mettez président l'accusation. Et pas ça que t'es fait. Ça que t'es fait là, dans le langage science politique, il y aurait lié autogolpé. Autogolpé, son forme de coup d'État, l'a utilisé institution l'État pour mettre un président à terre. Quand elle te prend naissance, c'est en Russie avec Boris Yeltsin et au Pérou avec président Fujimori. Ok? Donc, ça qui t'est fait là et Jean qui t'est fait là, son autogolpé qu'elle t'est. Allez dire que, allez se prendre pouvoir dans la fabrication, c'est des bagages qui ne correspondent pas à la réalité. Dans le langage technique en sciences politiques, il y a ça, autogolpé. Donc, ça veut dire que, et c'est pour ça, étudiant qui est en droit, étudiant qui en relation internationale, étudiant en général, et nous avons écrit un livre d'histoire et sous question ça. Parce que assassinat président, c'est une cumulation de complots sous 4 ans et demi qui échoué. Et puis, l'accumulation de complots ça, une échoué, en période de 4 ans et demi, ils ont décidé à exécuter. Donc, c'est pour ça qu'ils ont assassiné. Et, bon, l'autre aspect pour étudiants et tout, particulièrement étudiants criminologie, l'oral travail pour FBI, ils ont fait ça relier le profil du crime. Elle dit que pour j'en ai de crevé, j'ai président, et comme soi-disant, ça m'a beaucoup confirmé, il faut couper l'anglais, où est son vengeance par rapport à ça, elle t'a fait, ou qui n'a pas fait. Elle dit, on s'y n'a pas et un paysan qui sortit dans tout du nord, le jeune Port-au-Prince, au système qui est en place depuis 1806, et puis monsieur vient remettre le système dans la question. Donc pour moi-même, ça qui passe là, ce n'est pas seulement un aspect technique, un aspect d'enquête, mais un aspect idéologique. C'est quand même pensé aussi là, pour combattre le système ça qui là, pour créer une idéologie. Pour moi-même, idéologie ça a dû relever le noirisme démocratique. Pour nous mettre l'homme et la femme noire à sa place en Haïti, en Amérique latine, dans la Caraïbe et à travers le monde. Le noirisme démocratique, c'est un salier. Comment vous voulez que mon pays, qui a 99% de noirs là-dedans, pas un bourgeois noir en dedans pays, pas une opportunité économique, pas une égalité des chances. Donc, ça veut dire que l'idéologie, ça va créer le noirisme démocratique que nous devons créer pour combattre le système, non? Puis, pour aller tout en Amérique latine et dans la Caraïbe. Comment vous voulez que nous, dans une région qui a 210 millions de noirs là-dedans, il y a 100 millions là-dedans qui n'ont pas accès à la santé, à l'éducation et aux opportunités économiques. Et c'est pour ça que moi-même, je suis d'accord avec le slogan président Biden vient avec l'IA, combattre le racisme systémique. Et noirisme démocratique, non, pas permettre d'entrer en dans Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement pour nous combattre le racisme systémique. Là. Comme que BID, Banque interaméricaine de développement, ben nous, c'est dégoût de nos cris chaque année. Il n'y a pas qu'à permettre nous investir dans l'infrastructure nous qui est base de développement économique. Jean-FMI a prêté nous chaque année, il fait partie de racisme systémique qui fait que nous noirs n'avons pas avancé dans le monde. Là. Donc, moi-même, pense que là, moi, président Jovenel Moïse, là, pour nous créer l'idéologie, ça, en dedans pays, à la première république nègre du monde, qui vient avec l'idéologie, ça, non seulement pour placer nous noirs dans le pays d'Haïti, en Amérique latine et dans la Caraïbe, mais aussi à travers le monde. Sandé, il y a deux élèves là. Donc, ils ont demandé est-ce que vous avez une référence donc, pour vous-même, vous allez regarder tout, concernant la forme de coup d'État, ça, que vous se parlez, parce que justement, ce n'est pas ça. Et si vous avez depuis Google, autogolpé, après tout état technique, et autogolpé, dans la science politique, c'est l'utilisation de l'institution de l'État pour faire coup d'État. Ou qu'a fait via pouvoir judiciaire pour faire coup d'État. Ou qu'a fait via l'exécutif là pour faire coup d'État. Et il y a un pouvoir exécutif là tout, un grand pouvoir exécutif là que coup d'État a fait. Par exemple, nous connaissons que le bon premier ministre qui t'a laissé le ben, président coup d'État. Ça a été autogolpé tout. Comment le dit Stanley? Ah, parce que je ne vais pas manger détail. Après le président enterré. Bon, Gaye, tu es un capitaine de nous certainement. C'est ça que je veux dire. Évoquer l'aspect formatif question. Donc, ça, je connais généralement. Bon, même si ça, personnellement, que je connais tout. Le gain coup d'État, il faut gagner la force, il faut gagner la préparation secrète, etc. Bon, ensemble d'éléments qui pour rentrer en scène. C'est ça que fait justement. Sous évoquer ça, c'est bien. Sandé, mais faut-il bien que vous veniez avec
et des arguments solides et convaincants, certainement, qui capable de permettre de mon capitaine de là comprendre que. Mon argument, nous n'avons pas d'étudiants qui Google auto-golpe, lui écrit A-U-T-O-G-O-L-P-E. Il y a besoin de tout détail. Après, vous parlez moi-même qui moi-même là, l'aime des étudiants, c'est faire recherche. Ou pas qu'à faire une église parler, c'est mon cher. Pour me l'église faire recherche. Moi, je vais bien apprendre ça. Pardon? Vous m'en dites pas, moi, dans vous cherchez ça pour faire que vous parlez de. Merci Stanley. En tout cas. Donc. Oui. Donc, moi, je pense que dans 21 jours qu'à venir, le pays a gagné trois priorités. Et la continuité de l'État. Et ça commence à faire avec le Premier ministre et le gouvernement. Et deuxième bagaille là, c'est l'enquête qui doit être organisée. Et du président de la République, même opinion personnelle, même pas qu'elle doit faire dans le CSPN, pour que soit bon ministre délégué en charge de l'enquête et sur l'assassinat du président de la République, et Mounsa Léonon même, qui est en Bali, au juge d'instruction, au commissaire gouvernement, au commissaire divisionnaire de la police, au juge de paix, spécialiste en question financière, en question de sécurité, en question de télécommunication, ou une équipe centralisée. Donc, pour parler aux responsables d'imprimatur, de centralisation de l'enquête, ils ont même, ils vont faire enquête nationale là. Pendant qu'ils font enquête nationale là, ils ont un ensemble de données que ils vont prendre les Américains. Américains, c'est pas tout clair, ils ont même un système par ailleurs à cause de questions de classification, et là, toute information est capatagée. Il est possible que les Américains aient fait enquête, même si ils ont fait le cadre. Mireille chez Bertin, et puis enquête la classifiée, ça veut dire qu'il va distribuer. C'est le congrès à une déclassifiée, ou à bien accès à lui-même. Donc, et comment collaboration après allier avec sensibilité légale, ça a été un fouillot aux États-Unis par rapport à FBI, département de justice, Homeland Security. Pour Colombien, c'est prestige de la Colombie, faut pas oublier que c'est nous qui voyons soldats à ZAM pour libérer les pays bolivariens avec Simon Bolivar. Colombie gagne indépendance li à cause de nous-mêmes. Et nous avons besoin de bon genre relation avec Colombie et le président colombien dit qu'elle a collaboré. C'est pour ça qu'elle voyait directeur intelligence militaire, li, directeur et intelligence nationale li, avec un commissaire gouvernement vient collaborer avec nous. Toute data ça, tout élément ça, pour centraliser nos bureaux spécial d'enquête en imprimatur. Il n'y a pas que le commissaire gouvernement fait tout d'abord et parle. Et la police a fait tout bagaille parle. Et le juge a fait tout bagaille parle. Et Banque centrale a fait. Oh, tout bagaille est centralisé. Depuis on centralisé, non détail qui va dépasser 21 jours, gros auto ou bien qui finance bagaille, n'a pas qui est-ce que est. Et monde qui baille complicité dans la force de sécurité, en de la police, dans l'IRGPL, n'a pas identifié. Parti, coalition politique, coup d'État, n'a pas besoin de tout. C'est une question de 21 jours, c'est une question d'organisation. Vous gâtez pas la langue parce que vous dites que chaque institution de manière séparée qui a organisé et enquête par au Sénat, la police, etc. Mais on dit qu'il faut enquête la centraliser. Bien entendu, au niveau du Sénat, même si le Sénat est dysfonctionnel, il n'y a pas d'autorité légale et constitutionnelle pour faire quoi que ce soit, symboliquement, il y a mettre une commission de trois sénateurs qui va faire enquête par eux, qui prépare un rapport préliminaire, même si le mandat du sénateur qui a fini deuxième lundi de janvier. Mais le 51e législature, avant le 2e lundi de janvier, il y aurait mettre lui et rapport préliminaire ça que vous parlez. Mm-hmm. Oui, c'est un des merci, c'est un plaisir de échanger avec vous. Le plaisir est réciproque, malheureusement, c'est non circonstance comme ça. Moi, j'espère que tout le monde qui t'attendait là apprenne nos bagailles. Et son grande question que le peuple a gagné, et moi, je pense que d'ici le 10 août, pour le peuple a joué une réponse à la question ça. Qui est-ce qui touille le président Jovenel Moïse? Quel que soit le monde qui a demandé des bagailles là, le peuple a une grande question qui a demandé des réponses pour lui. Qui est-ce qui touille le président Jovenel Moïse? Et il faut répondre en venant avant le discours. Bon Dieu, ben nous, qu'est-ce que là? Nous, c'était ça, Stanley, merci un peu.